Amis des crèmes solaires et du HDR en vidéo, bronzer avec un écran, c'est désormais possible. Et ce, grâce au Ninja Flame, qui est le thème du poste de ce jour. Bonjour et bienvenue sur ce vlog Vidéo Plus, par tous les temps et en tous lieux au service de vos plus belles images. Voici donc un moniteur 1500 nits permettant la lecture en Atome HDR et un enregistrement 4K UHD 10 bits en Apple ProRes 422 et Avid DNX. Son nom, Ninja Flame. Il vient étoffer la gamme des enregistreurs Ninja. Son écran tactile de 7 pouces possède une résolution de 1920 par 1200 et est renforcé par un boîtier anti-choc. Grâce à sa dynamique et sa gamme de luminosité 4 fois plus importante que les Shogun et Assassin, le moteur Atom HDR permet de montrer tous les détails du HDR Log. Il assure ainsi un retour de terrain ultra lumineux, des couleurs éclatantes, naturelles. En live, vous observerez clairement toute l'information disponible dans les hautes et basses lumières de vos plans. Les entrées-sorties HDMI 2.0 permettent un signal propre du capteur. L'enregistrement se fait directement en Apple ProRes ou en Avid DNX sans compression interne, capturant chaque image en pleine résolution. Grâce au pré-roll, le Ninja Flame enregistre jusqu'à 8 secondes avant le déclenchement pour ne manquer aucune image. Sur un disque dur de 1 Tera, enregistrez jusqu'à 3 heures d'image en 4K Apple ProRes ou 10 heures en HD. Le Ninja Flame possède une gamme d'outils professionnels de monitoring comme le Focus Assist, le Zoom Digital et le Zebra. Pour une analyse en profondeur de vos images, filmer avec le waveform et le vectorscope assure une précision optimale des couleurs et une balance des blancs équilibrée à tout moment. Le Ninja Flame est doté de deux compartiments batterie permettant d'interchanger les batteries à chaud. Ceci garantit la continuité du tournage. C'est donc un bien bel outil que ce Ninja Flame. Je vous rappelle qu'il est disponible d'ores et déjà à la boutique ou sur notre site en ligne www.videoplusfrance.com. Je vous remercie de votre attention sur ce poste et puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.